Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Bertrand. C'est le centre national de quoi ici ? On est au centre national de référence RFID. Donc, c'est un centre qui a été créé il y a 8 ans, qui accompagne l'ensemble des sociétés à développer des usages et des technologies RFID. Et depuis quelques années, on s'est élargi à d'autres technologies et d'autres usages. La preuve même ici à ConnectWave, en fait, qui est un showroom. Tout à fait. Donc, c'est un concept qui a été créé il y a un an, qui explique un petit peu notre évolution. Avant, on accompagnait principalement les problématiques liées à la RFID. Depuis quelques années, on s'est appuyé sur cette expertise des technologies sans contact pour s'intéresser à d'autres technologies comme le Wi-Fi, le Li-Fi, le Bluetooth low energy, etc. Et puis évidemment, les objets connectés qui sont ici bien représentés. Voilà, donc là, c'est justement la consécration un petit peu de notre approche, c'est-à-dire que depuis toujours, on accompagne la compréhension des usages qu'on faisait en RFID. Et depuis l'évolution qu'on a eue avec les technologies, on continue à vulgariser un petit peu tous les potentiels d'utilisation de ces technologies sans contact. Et on a créé ce centre d'expérimentation et d'usage pour permettre de s'adresser à un public très large. Et cette fois-ci, plus par les technologies, mais par les usages avant tout. Et maintenant, on a un positionnement national en étant ancré ici dans ce petit village. Qu'est-ce qu'on présente ici, là, très concrètement ? Alors ici, on a focalisé le concept sur trois principes fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a des objets connectés qui fonctionnent. C'est bien de le rappeler, on n'est pas dans du PowerPoint, c'est-à-dire que même si c'est un prototype, on l'accepte, mais avant tout un objet connecté. Qui a un véritable retour sur investissement dans le secteur d'activité dans lequel il est utilisé. Donc, on scénarise l'utilisation de cet objet et il doit être transposable d'un métier à un autre. Donc là, l'idée, elle est toute simple, c'est de dématérialiser sa carte de crédit, de la mettre dans le téléphone et de rendre le téléphone intelligent. Le gros intérêt, c'est que ça marche également lorsque vous n'avez plus de batterie. Et on est capable d'analyser un processus industriel et d'imaginer ce que pourrait être un objet connecté. Ou quel est l'objet qui est historique chez eux et comment il pourrait devenir un objet connecté demain pour transformer de nouveaux services. Ce qui est intéressant, c'est aussi de s'alimenter de ce que peuvent être les objets connectés grand public et d'imaginer ce qu'ils pourraient apporter dans le secteur du monde industriel. Donc vous avez beaucoup de grands groupes qui viennent ici ? Complètement. Beaucoup de patrons d'innovation, direction générale, qui viennent comprendre un petit peu quels sont les enjeux de l'usage de l'objet connecté pour imaginer quelles seraient les propres évolutions de leur processus industriel ou les nouveaux services qu'ils pourraient développer. Donc cette application est utilisée par les grandes maisons de vin pour tracer le vin de la cave jusqu'au distributeur et pour en assurer l'authenticité jusqu'à l'utilisateur. On voit que l'objet connecté grand public est déjà présent depuis un grand nombre d'années maintenant, aux 3, 4, 5 ans, qu'il est déjà dans les mœurs, dans la visibilité de ce qu'on peut voir aujourd'hui. L'industrie est qu'au début de cette révolution et on pense qu'il y a énormément de choses à faire dans le secteur industriel. Vous êtes ici à l'origine d'un événement qui s'appelle Connect Plus, c'est bientôt. Tout à fait, faites bien de le rappeler, c'est justement une des actions que l'on met dans l'année. On réunit un peu l'ensemble de notre écosystème, cet écosystème s'est élargi cette année. On avait un événement qui s'appelait RFID Congress. Pour les raisons que je vous ai expliquées au départ, on a élargi le lieu, le contenu et le nom. Donc une grosse ambition cette année et notre événement a rejoint un événement sur l'industrie du futur qui aura lieu à Paris du 6 au 9 décembre avec Smart Industry et le Mid-Est, donc plus de 50 000 visiteurs consacrés à l'industrie du futur où on animera toute la partie objets connectés.